Très chers abonnés d'Africa Cool Télévision, merci de la fidélité et confiance. Nabino Obopé Sakana chaîne Africa Cool. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner massivement. Veuillez commenter, aimer et partager nos vidéos. Lélo, nous allons vous présenter une émission Isa un peu spéciale parce que je ne serai pas seule. Je serai avec ma consoeur Merveille Madea, CES TV, Komosukisa Télévision, Oyotoko abordé la question de l'heure. Tous nous savons que le président de la République devant la diaspora à Londres à Tenaki discours moko oyo et faire parler quand même beaucoup de gens ti lelo ils ont continué kolobisa batou dernièrement bon aborda ki kenon bazo pousser à bout à ko risquer à dissoudre l'Assemblée nationale na yango to mona ki ba réaction de part et d'autre. C'est comme ça que nous allons aborder ce sujet avec notre invité du jour que nous allons découvrir dans les minutes qui suivent. Voilà, chers abonnés d'Africa Cool et de CES TV Télévision, comme on vous avait dit, nous avons reçu pour vous un invité. Il va lui-même se présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Je suis Christian Temeteme, congolais d'origine. Je suis analyste politique indépendant. Voilà, monsieur Christian, en tant qu'analyste politique, avec vous, nous allons aborder l'actualité de l'heure. Voilà, monsieur Christian, vous avez suivi, comme tout le monde, le discours du président à Londres. Quelle lecture faites-vous? Merci, madame. Je pense que le président de la République à Londres, il n'était pas à côté de la plaque. Il est resté chef de l'État devant les Congolais, parce que quand on parle diaspora, il y a certains qui pensent qu'il était devant une communauté indésirable, ainsi de suite. Non. À Londres, le chef de l'État était devant la communauté congolaise. Ce sont nos frères et sœurs qui vivent de l'autre côté de la Grande-Bretagne. Et les chefs de l'État, donc le chef de l'État avait bien dit, il n'a pas l'intention de dissoudre l'Assemblée nationale, le Parlement, voudrais-je dire. Le chef a dit, il n'a pas aussi envie de créer une crise. Mais si on lui poussait, il n'y aura pas de choix. Il sera contraint de dissoudre le Parlement. Moi, je pense que le chef n'a pas dit ce qu'il pensait. Le chef n'a pas dit un projet du cash. Le chef n'a pas révélé une initiative de l'UDPS, moins alors de l'INC. Mais le chef a rappelé une obligation, s'il faut le dire, une obligation constitutionnelle, s'il y a crise. Le chef a dit, il nous a rappelé une orientation constitutionnelle, s'il y a crise également. Et le chef nous a rappelé aussi une sortie des crises persistantes dans la nation, la Constitution a déjà prévu cela. Alors quand il dit qu'il va dissoudre l'Assemblée nationale, il n'a pas menti. Qu'il peut dissoudre l'Assemblée nationale, il n'a pas menti. Le chef a dit ce qui est dans ses prérogatives comme chef de l'État. Voilà, après ces discours, nous avons suivi la réaction de plusieurs autorités de ces pays, entre autres la réaction de la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Jeanine Mabunda. Que pensez-vous de ces propos? Je pense que l'honorable Mabunda n'a pas réagi comme présidente de l'Assemblée nationale. L'honorable Mabunda a réagi comme membre du FCC. Parce que comme présidente de l'Assemblée nationale, elle ne pouvait pas dire ça. Madame, vous allez comprendre que la Constitution donne au chef de l'État seul le prérogative de dissoudre l'Assemblée nationale s'il y avait crise, ou soit s'il y a crise, et si cette crise est persistante, c'est la Constitution. Ce n'est pas à Madame Mabunda de contredire ou soit de répondre au chef de l'État. Si Madame Mabunda avait à répondre, elle n'a qu'à répondre à la Constitution de la République. Il ne faut pas lire la Constitution sans pour autant l'ouvrir. Il faut ouvrir la Constitution et il faut bien lire la Constitution. La Constitution dit quoi? En cas de crise persistante, le chef de l'État peut dissoudre l'Assemblée nationale. Oui, on ne peut pas démettre ses prérogatives de dissoudre l'Assemblée nationale au chef de l'État. Il est le seul. Et il faut qu'il y ait crise. Il n'y a que le chef de l'État qui peut interpréter la teneur de la crise pour arriver à la dissolution
du Parlement. Donc ce n'est pas la Cour constitutionnelle, ce n'est pas au Parlement, ce n'est pas la Cour de cassation, ce n'est pas dans nos officines politiques. Donc il n'y a que lui qui peut interpréter la teneur de la crise, qui peut amener, n'est-ce pas, à la dissolution de l'ensemble. Et on nous dit ceci, après avoir constaté cette crise, il peut consulter le Premier ministre, le président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Madame, on parle français. Quand on dit consulter, ce n'est pas décider. Donc, le chef de l'État, pour dissoudre l'Assemblée nationale, il ne doit pas attendre d'abord la décision du Premier ministre, du président du Sénat, moins alors de l'Assemblée nationale. Donc, il peut, quand on consulte, c'est pour avoir un avis. Et un avis, quand on donne un avis, l'avis n'a pas un caractère de décision. L'avis a un caractère, je ne sais pas moi, à prendre ou à laisser. Voilà, monsieur Christian, vous avez dit, avec tout ce qui se passe depuis que le président Félix est au pouvoir, nous avons vu, ses arrêtés ne sont pas respectés, il n'est pas respecté par les ministres ni par les députés. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la crise s'est déjà installée? Mais qu'est-ce que le président attend pour se décider? Il a peur de quelque chose ou quoi? Madame, il y a déjà crise. Oui, il y a crise, mais cette crise n'est pas encore persistante. Et cette crise tend maintenant vers ce qui va donner raison à Félix Tshisekedi de dissoudre l'Assemblée nationale. Vous savez que il y a, je ne sais pas, plus de 8 mois, les chefs de l'État avaient nommé le mandataire au niveau de la GECAMIN et de la SNCC. Et ces ordonnances sont bloquées par les ministres de portefeuille. Ça, c'est déjà une crise. Quand vous suivez les réactions de Jean-Marc Kabound, vous sentez qu'il y a déjà une crise. Aujourd'hui, les deux protagonistes, donc Cash et FCC, ils ne sont plus sur les tables de négociations. Ce n'est plus un secret de polichinelle. Il y a déjà une crise, même au niveau de l'Assemblée nationale. Quand vous prenez le règlement intérieur de la législature passée et le règlement intérieur actuel, vous allez comprendre que Jean-Marc Kabound, c'est un vice-président sans prérogative. Hein. On a dépouillé Jean-Marc Kabound de ses prérogatives, on a donné à l'honorable Balamagé, qui est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Vous allez comprendre qu'il y a une crise. Quand vous sillonnez d'abord de provinces, de gouverneurs, ainsi de suite, vous allez comprendre qu'il y a déjà une crise. Quand Ngobila nomme de bourgmestre et les vice-premiers à l'intérieur lui demandent de rapporter ses ordonnances et Ngobila ne veut pas, c'est qu'il y a déjà une crise. Quand le chef parle, et c'est l'honorable président de l'Assemblée nationale qui répond, et ce sont même des communicants, des communicateurs du FCC qui répondent sans respect, sans règle de l'art, ainsi de suite. Vous comprenez, vous allez comprendre qu'il y a déjà une crise. Est-ce qu'en ce moment, on peut donner raison aux gens de la Mouka qui étaient contre la coalition FCC-CACH? Bon, nous sommes en politique, hein? Nous sommes en politique. Si c'était la Mouka avec Cash, FCC allait dire papa pareil. Si c'était FCC avec la Mouka, Cash allait dire papa pareil. Donc, nous sommes en politique. Voilà, chers abonnés, je ne vais pas monopoliser la parole. Comme on vous avait dit, nous sommes à deux. Je passe quand même la parole à ma consoeur Merveille Madé, qui a aussi quelques questions. Nous avons tous suivi les discours du chef de l'État. À Londres, il a parlé, il a reconnu au moins les Niamulenge. Il a dit que les Niamulenge sont aussi les Congolais. Votre point de vue par rapport à ce sujet? Non, moi je pense qu'il ne faut pas prendre le mot du chef de l'État hein, comme ça. Et quand il dit que les Niamulenge sont nos frères congolais, mais il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Comment est-ce ça? Est-ce que, madame, à Londres, il n'y a pas de Congolais britanniques? Pourquoi? D'où vient le terme franco-congolais et belgo-congolais, ainsi de suite? D'où vient ces termes-là? C'est pas un péché. C'est pas un péché si on vous dit Niamulenge et congolais, c'est pas un péché. C'est ce que j'ai dit. On doit vraiment éviter des discours populistes. Hein? Il faut bien consulter notre arsenal juridique à la matière. Est-ce qu'on a eu un président, un vice-président de la République ici, Niamulenge, non? Hein, M. Azarias Rouberoa, pour ne pas les citer. On a nos frères ici, ils sont avec nous depuis 1920.
1959 jusqu'à aujourd'hui. Ils sont là avec nous. Ils sont là avec nous. Il y a des ceux-là qui sont nés d'un parent, d'un papa congolais et d'une mère Nyamulenge. Cet enfant est né sur le sol congolais. Quelle nationalité que cet enfant doit porter? Tout celui qui est né sur le sol congolais est d'abord congolais. Soyons sérieux. Est-ce que les Nyamulenge qui ont occupé notre pays en 1920, ils sont encore vivants? Est-ce que ceux qui ont occupé ceux qui sont avec nous depuis 1959, ils sont encore vivants? Ils ne sont plus là, ils sont partis de là, ils sont déjà morts pour la plupart. Alors nous sommes là avec les enfants de ces Nyamulenge là qui sont là depuis 1920, ainsi de suite. Alors par rapport à notre loi, ils sont congolais. Ils sont congolais, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat, ils sont déjà dans nos institutions. Il y a des ceux-là qui ont posé aussi des claires candidatures. Ils sont députés, ils sont gouverneurs, ils sont ministres dans nos provinces. Ça, c'est un faux débat. Ça, c'est un faux débat, parler de la nationalité aujourd'hui. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Ça, c'est, je ne sais pas moi, ça, c'est la mauvaise foi. Quand le chef dit, ils sont nos frères, ils sont avec nous depuis 1920. Aujourd'hui, nous sommes à 2020. Qui a 100 ans là-bas? Qui a un siècle là-bas? Non, soyons sérieux. Le propos du chef, c'est un chef de l'État. Il ne parle pas n'importe comment. Il se prépare. Il connaît les lois et règlements de la République. Il parle comme chef de l'État en toute responsabilité. Il parle comme un chef de l'État dans toute responsabilité. Déjà, ce vendredi 24 janvier, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, du fait, c'est un an depuis qu'il est président de la République. Quel bilan faites-vous par rapport à ces un an? Largement positif. Je suis congolais, largement politique. Largement positif parce que la République démocratique du Congo était effacée dans l'échiquier international. Mais à travers les voyages des chefs de l'État que les uns et les autres qualifient de budgétivores, ainsi de suite, les gens qui ne comprennent absolument rien sur la République, ainsi de suite, que la République démocratique du Congo est en train de rentrer sur l'échiquier international. On parle Congo aujourd'hui au Vatican, vous avez suivi, on parle Congo aux États-Unis, on parle Congo à Londres, on parle Congo en Europe, ainsi de suite. Aujourd'hui, le chef est en Suisse, donc on parle Congo pas partout. C'est déjà un point très, très positif. Je ne serai pas abordé aussi l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Ce sont des points positifs. Nous avons vu quand même l'intention de Félix Tshisekedi de faire mieux si on lui donnait le moyen de travailler correctement dans les 5 ans. Félix Tshisekedi va travailler correctement et il va corriger quelques erreurs du passé. Moi, je pense que dans les 5 ans du chef de l'État, quand on parle aussi de la décrispation politique, vous voyez aujourd'hui Moïse Katumbi est libre au Katanga, notre grand frère Jean-Pierre Bemba est là au Congo, Franck Diongo est libre, Diomi Ndongala, ainsi de suite. Vous allez comprendre qu'avec la décrispation politique, c'est aussi un point très très important, mais il y a encore beaucoup à faire avec les infrastructures scolaires, la route, ainsi de suite. Aujourd'hui, le chef est en train de réhabiliter les stations de captage d'eau à travers la République de la Régie des Eaux. Nous voyons quand même les efforts du côté SNEL avec la réhabilitation de groupes de services, ainsi de suite. Donc, moi, je dirais que un an, le bilan est largement politique, positif, mais il y a Jeanine Mabunda et Chadari qui veulent gâcher l'histoire avec des déclarations incendiaires à un jour de l'anniversaire de l'an 1 de l'alternance. Namoni a poko misi fachi mingi olobiete makamuni nyosezaka ok. Ozo luka pepe so poste. Oh, maman, naza congolais, président de la République Mboka Nangomne Félix Tshisekedi, il n'y a pas de président. Ne comment parler mon Kenyabaka et mon nous vivant. Ceux tous les imbo canabis sauter, n'a ni olingon na place n'abiso. Ceux tous les mi président n'abiso sauter mais bosé assume malam et pas naï. Non, il faut pas tout linga quelque chose et son contraire à la fois. Bisonyo tout le bamal malo bakito ko pona mboka. Tout jeter ba fleur pona mboka. Tout à la tête le quoi bateau ballon na tête baloka ka ko buka. On est là qui mouibi. Faut pas insulter Félix à midi
à 23h, vous démarrez des jeeps vers lui. Non, soyons c'est sérieux. Qui se sent piqué connaît l'affaire. Ils sont amis. Ils sont amis. Moi, je connais Félix Tshisekedi personnellement. Ils sont amis. Toye bani bison tout vivra. Ah, on a Kinshasa. Na ba matanga, na ba feti, na église, partout. To koutanaka. To bundarate po ni sokom na TV mba po to sola makama mboka foto wa ndobunda to fingana. Donc, on peut dire que bazo distraire biso ba monyo sola. En quelque sorte, c'est une distraction. Bandana Félix Tshisekedi. Je n'ai pas cité les noms des gens, mais en quelque sorte, la classe politique, quelque part, va distraire biso. Pour distraire biso. Vous allez constater que les ennemis d'hier aujourd'hui, ce sont des amis. Ouais. Vous allez me dire que qui peut me prouver aujourd'hui que Fayou lui est Tshisekedi, mais Bazaka Bibinemi. Voilà, nous sommes arrivés vraiment presque à la fin de notre émission de cette journée. Votre mot de la fin des co-Christian Temete. Merci, madame. Mot de la fin, le peuple congolais va fongo la misu. Tout le monde a un discours politique, te yalukuta pamba pamba. Mobeko likonzi ya mboka to constitution et pesi na président de la République autorisation ya ko dissoudre l'Assemblée nationale, le Parlement, voudrais-je dire. Ce qui crise ezali pe crise yango ezali kasi ce qui komi na esikate et pe sa ye loboko atia ma boko pour ko dissoudre l'Assemblée nationale, le Parlement a ko sala yango moto ko pe ki sa ye azali te pe ezali kaka na président de la République nde ba reconnaître droit wana ya ko et interpréter tenir ya crise et ko ki ko mema na dissolution ya Assemblée nationale. Moto ko sabino teo na ko disoka miki ko dissoudre l'Assemblée nationale non ke ne ko funda ina bazuzi. Tango ko dissoudre l'Assemblée nationale moto ozale sous député té. Vous aurez quelle qualité pour aller porter plainte pour la haute trahison à la Cour constitutionnelle. Quand il dissout, c'est effectif. Dans les 60 jours, il faut qu'il y ait des élections. Donc tango parlement kama banyamulenge moto ko sabiso té. Mobe qu'on a bien sûr l'obité. Oh, nous sommes beaucoup amis dans ma belle à Congo, azali congolais. Hein? Bato bayaka banyamulenge bayaka na 1920, misuba na 1959. Bango nous sommes basés à Koufa. Bana bango oh babotama na ma belle na biso ya solo bazali ba congolais, basusu babotami tata congolais, mama nyamulenge. Moi na ona bo pesa une nationalité nini. Basusu babotami mama congolaise, tata na nyamulenge, babotami na ma belle ya Congo, na ma belle ya Kimbangu, na ma belle ya cardinal Malula. Na mabele ya Cardinal Musengo, na mabele ya Cardinal Ambongo, na mabele ya Jean-Pierre Bemba, na mabele ya Fayulu, na mabele ya Katumbi, na mabele ya Etienne Tshisekedi. Yo opesa bango nationalité nini? Tokanisa malamu, tozakala ndeko chalupa wa pe a son âme. Azakala lo poso moindo lokola biso, apostila kate, akomaka député, na mobeko nini? Bana mboka, tolinga mboka ya biso, toza ekolo musuta par Congo. Tolinga mukonzi ya mboka na biso tozama mukonzi musuti a pa Félix Tshisekedi. Olinga ye te. Ozalo ponaki ye te. Ozala opposant, ozala na majorité. Ozala soki wapi, président de la République azaka moko, pone komona ye Félix Tshisekedi Chilombo. Mwana ye Etienne Tshisekedi, mwana ya mama Marthe. En tout cas, tobwaka ba fololo po ya bolamu ya ekolo na biso, soko mboka ebongi ozala bolamu ya biso banso. Ba ebanso ba kokana mabe Matondi mingi mwana mboka. Voilà, chers abonnés d'Africa Cool Télévision, abonnés à CES TV Congo Sukisa Télévision. Merci na attention na bino ndenge bozala ki ebele bolandi émission oya mokola lelo actualité oyo tolobeli juste actualité oyo ezo oyo epeli moto na mboka na biso RDC. Merci botika la connecté na ba chaîne na biso bo s'abonner ebele. Merci et à la prochaine. Avec Sepela TV, besoin coûte au kima banyongo ezate. Pour e pas na biso nyongo ezalate, ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na auto pelicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na auto pelicio. Même plus de 1 an, soit c'est plus de 1 an, non, foutate au kanisi koza na nyonga makasi. Comme tu nous sate maman, comme tu nous sate papa. 15 livres à pamba, tout rétablir service na. Et je te dis au revoir na anda ko, au revoir Sepela TV.